Dans l'épisode précédent. Si je ne passe pas top 1 ce soir, je suis la victime from Dofus. C'est pas mérité, mais je vais rename parce que c'était le deal. Ok, bon, vous semblez préférer ça. Aujourd'hui, El Chato, nous n'avons pas peur de la défaite. Elle n'est pas envisageable, elle n'est pas envisagée. Si je perds, je m'excuse auprès des Sadida, mais ça n'arrivera pas. Intérêt de win, ou je te fais ban, use. Ça n'arrivera pas, ça n'arrivera pas. Alors, contre un Nika Flip, il ne va pas jouer terre, quoique. Ok, mode anti-terre, on va voir. Et je vais mettre le mot de jouvence. Si, parce qu'il peut jouer terre, le filou. On est contre un Nika Flip qui, effectivement, joue terre. 10% neutre, 0-2 tacle. Ça va être compliqué. On va mettre Lapino ici. De cette manière, on pourra faire un tournoyant stratégique. Le petit mot de régène, on avance. Et puis, ce qu'on fait ici, c'est qu'on met la fiole. Je sais pas si on gagne, on passe devant l'Oman. Je pense qu'on passe devant l'Oman. Mais encore une fois, c'est pas suffisant pour considérer la victoire. Il veut pas avancer, ce loser. Ah merde, j'ai joué comme un tocard. C'est pas grave, je me suis rattrapé. Allez, soigne-moi. 3600 points de vie sur cet Eka Flip. Est-ce qu'il peut me choper en dopou? Clairement, très clairement, c'est ce que je ferai à sa place. Mais non, ce n'est pas son cas. Je vais vous mettre le canal combat parce que là, vous voyez rien. 3800 HP. Ça va, il fait peu de dégâts. En vrai, ça se torche. Ça se torche à l'aise. Donc là, j'ai pas besoin de bouger. On va juste faire ça comme ça. Je récupère un petit peu de soin en tapant la fiole. On va pouvoir mettre un ébène directement comme ça. Voilà, j'espère que tu souffres. Et on va soigner tout en tapant. Pernicieux. Repli stratégique et soin du Lapino. Deux ébènes sur les caflips. Il reste 3000 de vie. Moins. 2900. Vas-y, Xena. Vas-y. On tape quand même sur lui 25%. Il est pas à poil, mais bon. C'est vrai qu'au cours de la soirée, on va croiser normalement des mecs un petit peu plus solides, hein, niveau résistance. Ok. C'est léger. De toute façon, là, je vous dis, c'est victoire assurée. Je ne vois pas comment on perd ce match. Chiant, son chaton de merde, là. Je fais des chatons, moi, ou pas? J'invoque pas de chaton. Alors pourquoi t'invoques ton chaton? Non, mais vous voyez, on est toujours obligé de s'énerver avec eux. Allez, on full rocks. On full tap. On a boosté l'ébène. 2400 points de vie, il y a toujours deux ébènes sur la tronche. Le but avec un Eni, c'est de toujours lui mettre un maximum d'ébènes. Regardez les ébènes, deux ébènes, moins 600 HP. Ça va si vite. Genre, son coup d'arc, moi, c'est gratos, c'est deux ébènes. Bon, il fait 700, je fais 600 avec mes deux ébènes. Vous comprenez l'idée. Le truc, c'est que là, il va devoir... Enfin, il peut pas trop s'éloigner s'il veut profiter du soin de son chaton. Et s'il s'éloigne pas, je peux lui faire péter la fiole. Ok, d'accord, très bien. Là, tu vois, t'as bien joué. Parce que je suis vraiment dans la merde, hein, pour le coup. J'ai pas beaucoup de points de vie. On va lui mettre ça comme ça. Je vais devoir me prêve. J'ai pas le choix, hein. J'ai pas le choix. On va pernicieux. Non, furieux, pernicieux. Et on pète la fiole. Ouais. Non, il y a bien joué. D'accord, un petit peu de soin, mais... 1500 points de vie sur les cas flip. Merci Sakel Invoque pour le Twitch Prime. Je suis tombé amoureux d'une yopette. Elle me dit qu'elle a 16 ans. J'en ai... Oh, Sakel Invoque. Ok. Heureusement qu'il crit, hein. Putain. Est-ce qu'on peut le tuer, le chat? El Chato de la Maniana, est-ce que vous pensez qu'on peut faire le kill? Ça va être tendu, mais on va tout donner. Allez, on donne tout. Vas-y, le crit. Ah non, il s'est chance des cas. Putain, j'ai pas fait gaffe. Ah, quel tocard. Il s'est chance des cas. D'accord. Bon, j'aurais dû revitalisant à la fin. Effectivement, j'ai pas fait le meilleur tour du monde. C'est chaud. Pourquoi il s'est chance des cas aussi? Est-ce que moi, je fais la chance des cas flip? Est-ce que je fais la chance des Niripsa, moi? Je pense pas. Allez, contre-coup et tout, là. Ce cas, c'est que tout à l'heure, j'ai pas clean son chaton. Là, ça me met un petit peu au fond, du coup. Ça casse les pieds. Repli stratégique, El Chato. Repli stratégique. J'ai pas le choix. On va essayer de jouer sécure. On va péter comme ça. On va se soigner tant qu'on peut. Bon, 3300 points de vie de mon côté max. On s'écarte parce que là, il est en retour d'odorat. Je pouvais pas le clean. Ok, Xena. Casse les couilles. Ah, mais son chaton là, putain, il y a plus de soins que moi bientôt. Je vais devoir libérer une de vue ici. Hop, et on booste l'ébène. Allez, il y a juste un ébène sur la tronche parce que il m'embête pas mal. Je rappelle qu'on est contre un Eka Flip niveau 200. Il clean la folle. La fiole. Lapsus. Mais il me saoule, son chaton de merde, là! Calme, sérénité. Hop, et on lui met un deuxième ébène. C'est cool. Du coup, il va subir un petit 600. Ouais, c'est ça, un tout petit 600. 2200 points de vie sur cet Eka Flip. Là, je l'ai bloqué avec la fiole, mais il s'en fout complètement, puisque c'est un Eka qui joue full distance. Maintenant, soit il part par là, et j'aurai une de vue. Difficilement, mais je pourrais la choper. Soit il part par là, il prend pas le soin. Je pense que le plus opti pour lui, c'est de se mettre genre ici. Comme ça, je galère à le choper et son chaton de merde le soigne. Arrête de streamhack! Ça se voit quand même. Ça se voit. Hop, toi, tu dégages. Continue la pression. Il lui reste 3300 points de vie max. Le truc, c'est que moi, bah, je perds des points de vie max. Hein. Vas-y. Donne tout. Fais-moi mal, je te ferai mal.
On va essayer de garder 3 PA à la fin du tour. Putain, mais je prends tellement cher, en fait. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. 2000 de vie. Je joue que terre, use. Ouais, ouais, ouais. Niveau 189, il n'y a que ça, hein. Pile ou face. Ah, putain, son chaton. Le retour de ce tocard. Ouais, on va clean avec... Attendez, non, on va garder la fiole. On va garder la fiole, ça pourra m'être utile. Allez, 3000 de vie sur les cas flip. Je considère qu'il a 3000 parce que putain, à chaque fois, il soigne full. Vachement relou, en fait. Tellement relou. Il me fait mal, hein. Il me fait très, très mal. Le mode RNL, ça passe aussi. Non. Vas-y, Xena. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, Xena. Donne tout, donne tout, donne tout. Fuite stratégique, du coup. Je suis tellement dans la merde. On va mettre ça là. Un petit furieux. Et puis... un mode régène. On va prendre le soin. Il reste 1400 points de vie sur Xena. Putain, je pensais que ça allait être easy. Mais putain, il fait tellement mal. Il fait tellement mal, cet EK Flip. T'arrives pas à tomber ses points de vie, en fait. J'ai fondé une famille depuis le début de ton combat contre l'EK. Ouais, c'est un petit peu long. Sachant que là, il va perdre un ébène en plus. Arrête, mes PM. Chance d'EK Flip. C'est le moment. C'est le moment, El Chato. C'est le moment de briller. Donc, je vais mettre ça comme ça. On va continuer le soin. Mais je pense qu'il peut me clean à tout moment. Hein. C'est ça le problème. On se met ici. Je suis à portée pour le choper. Mais là, s'il me tue, c'est juste que je pouvais pas le faire. Non, il y a trop de dégâts. Il y a beaucoup trop de dégâts. Putain, il fait que des crits aussi. Il fait que des crits. Je fais des crits, moi. Attention, j'ai toujours le mode régène. Nous n'avons pas peur de la défaite. Elle n'est pas envisageable. GG, maybe. Il m'a clean. Putain. Putain, ça m'énerve. C'est pas censé fonctionner comme ça. Sacrieur, je gagne une fois sur 4. Et à cette cote, c'est plus une fois sur 6. Oh, il a rien. Il a pas de prix tech, pas d'argenté scintillant. Il a 22%, ça peut le faire. Il s'appelle Schlag. Ok, ça peut le faire, ça peut le faire. Don't let your dreams be dreams. Ok, ça peut le faire. En plus, j'ai l'initiative, je sais pas pourquoi. Mais après, en soi, j'ai pas mal d'initiative. Hein. J'en ai 2007, je suis pas à poil. Mais ça m'arrive pas souvent d'avoir l'ennemi. Oh, c'est un sacrifeu. C'est un sacrifeu, d'accord. Donc, on va directement lui mettre l'ébène. J'ai un petit peu deck parce qu'il m'a volé un PA. Hop, on repousse ça, ça nous soigne. Et en même temps, je pourrais mettre un deuxième ébène au T3. 2300 points de vie sur Schlag. C'est un sacré background. Ah purée, il est en train de me backgrounder là. Il y a tellement de régène ce truc. Oui, 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 oui. Putain, il fait tellement mal. Monstrueux, monstrueux. Donc, mot secret ici. Voilà. Comme ça, je vais mettre la fiole là et avoir un maximum de régène. Il fait hyper mal. Hein. Très bien. Bon, il a deux ébènes sur la tronche. Voilà, il lui reste 1000 de vie. Il va devoir se mutilation. Mais du coup, là, il y a un souffrance 8. Je peux vous dire que c'est coup d'arc. Ça passe comme dans du beurre. Hein. Coup d'arc, mutilation, je pense. Je peux pas le tuer, hein. Coup d'arc, mutilation, je pense pas que je puisse le clean. Ouais, 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 Schlag. Ouais, d'accord, il fait quand même la mutilation. Mais il voulait avoir un petit peu de régène. Ok, alors je vais te mot secret. On va lui mettre une fiole ici. Quoi, tu t'es mis là, toi, tocard? Allez, 1300 points de vie sur Schlag. 800 HP. Et de mon côté, il peut pas me mettre de deuxième ébène. Non, non, non. Il peut juste me taper de manière linéaire. Il peut plus se remutile. Il fait très mal, très très mal. Mais c'est bon, il va pas me clean, jamais il me tue. Même avec un bon coup d'arc en crit là. Et moi derrière, je pense que je le tue. Ah, sauf s'il fait ça, yes. Le background. Full background. On n'oublie pas. Je dois revita sinon il me clean. 600 HP sur Schlag. 600 HP, c'est à la fois deux fois moins que 1200, mais deux fois plus que 300. C'est pour ça que ça fait peur. Putain, la régène. Mais ça va, il a pété la fiole, donc ça lui a fait les dégâts aussi. Ouais, 1500 HP. Est-ce que le kill passe? C'est chaud parce qu'il n'y a plus qu'un ébène. Il n'y a plus qu'un ébène sur la gueule. Putain, mais des crits! Jamais il meurt. Putain, jamais il meurt. Jamais il meurt. Ah, mais ça casse les couilles! Ça casse les couilles! Allez, 470 HP. Vas-y, Schlag. Le problème, c'est que maintenant, bah, il pourrait se remutile ou une connerie comme ça. Hein. C'est ça qui fait vraiment chier, qui me met au fond. Je pense, hein. Ah non, il peut pas se remutile. Il peut pas se remutile, le chat, parce qu'il a pas relancé. Ok, ok. Est-ce que c'est la victoire, du coup? Yes! Yes! Yes, yes! Pouh! Je vous vois plus, les sadis. C'est quoi ça? C'est la lettre que je vais vous lire. Enfin, cassez-vous! Cassez-vous de mon jeu! Ça dégage! Hop, on va faire un petit point sur le ladder. First! First of the world! First of the world! J'aimerais que vous m'appelez comme ça maintenant.